Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sous le nouvel épisode de Far Cry Primal. Donc, on a une quête ici, on va aller la prendre. Hop, bonjour. La quête, pas la fille. Quoique. Bon, bonjour. Oh, c'est très bizarre comme endroit, je m'attendais à un truc un peu plus genre Ikea, tu vois. Ça, je crois pas qu'on trouve chez Ikea. Non, c'est pas de ta fille. Chaos tan hi tushi daha akista tan hi na kwai da shanchi. Mais ça c'est un problème d'isolation, ça. L'isolation phonique. Aish tan hi tushi shanchi takar aish ul guanda sa dam shuwana. Wanam charufadas sidamsha shlanga ma muwaida kwati charufadas shanchi. Daru balya laiwabi uudam dijamsu. Ouh, t'es chaud, c'est chouada. Nassam. Dis à tes oreilles que je reviens. C'est débile comme phrase. Par contre, oui et non. Vous mettez des trucs genre les fumées de mort. What? C'est quoi les fumées de mort? Par exemple, ramasser de la viande. La viande, non, c'est des os, ça non? Non, viande. Viande. Bon, du cerf. Parfait. Bon. Apparemment, on a du boulot sur la carte. On a un Isila ici. Voler des graines pour votre village pendant une course Isila. Une course? What the fuck? Ici, par contre, dans le nord, on a deux quêtes. L'une à côté de l'autre. Ça peut toi-même trois. Spécial crâne de défense rouge. Ouh. Et ben voilà où est-ce qu'on va, chers amis. Ok, on va commencer par aider Carouche. Oula. Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est quand même pas parce que je frappais au micro. Hop là, on y va. Moi, à la sortie, c'était par là. Youhou! Ok, bon. Caillou noir du nord. 300 mètres. Par contre, ma bébête, elle est... mes bébêtes sont mortes. Effectivement, mes bébêtes sont mortes. Et je vois qu'on a un truc à confectionner. Feuille rouge, 0. Oh, merde! Merde. Ma bête ne peut pas me suivre aussi haut dans le nord. Il y a un campement là-bas, je vais aller récupérer des... Ah putain, non, c'est en dessous. C'est clairement en dessous. Bah oui, c'est dans la crotte. Ok, il va me falloir trouver un peu plus de feuilles alors. Moi je vous bats au cac les mecs, hein. Pas de soucis. Hein. Hop, un tapir. Ah, de la feuille rouge. Putain, génial.
pouvoir aller en récupérer une ou deux. Feuille rouge, on a combien? Une, putain, la gueule. Et en plus, ils sont radins. Putain, je crois que c'était un rhino l'espace d'un instant. Pff, le coup de stress. Mammouth sur la gauche, sur la droite, pardon. Je tourne donc à gauche, j'évite le mammouth. Les mammouths ne sont pas la vie, contrairement à ce qu'on peut croire. Là, feuille rouge. Je prends. Oh, j'aimerais en avoir plus. Je me suis pas rendu compte de ma connerie. Je ne m'en suis pas rendu compte, je l'admets. C'est entièrement de ma faute. Dommage. Grotte des couteaux gelés, nous y sommes. Œil pour œil. Hop là. Tu mettras là, s'il te plaît. Hop là. Et je pensais qu'il était là, l'autre. Bon, écoutez, vous me faites chier. Voilà. Ok. Je vois pas du tout où je suis. Dégage. Monte. Ok, on y va. Qu'est-ce que... Putain, par... Ah, il l'a eu. Putain, il l'a eu. D'accord. Pas la forme, hein. Qu'est-ce qu'il a au niveau du bide? Le foutage de gueule. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Aikusma, misushnu yaugam. Oh que non. Naikarush, winjati imana. Oh que non. Oh que non. Tiens, vas-y, prends. Tiens. Oh.
Mais merde, je les vois pas. Dégage. Hop! Tiens, bouffe! Échec! Merde! On va la reprendre. Alors. Ce que je vais faire, c'est directement pas m'embêter. Allez les mecs! D'accord, ils passent pas par là. Oh! Hop! Hop. Ok, tu veux jouer à ça. J'espère que ta planque est inifugée. Hop. Crac. Au suivant. Putain. Les renforts ont été appelés, je pense. Carouche, on y va. Bon, toi t'as payé. Tiens, voilà. Soigné. Je te suis. Ok, apparemment on est sorti. Checkpoint, j'achève Mog et toi Takar. Ah putain, j'aime pas quand ils sont fait genre on a gagné déjà. Ah, ça c'est un bonhomme. Ça c'est un bonhomme. Prêté pour un rendu, tiens. Je l'aime bien celui-là. Ouh, que je l'aime bien. Pas de soucis. Pas de soucis. Par contre, si je vois que tu te diriges genre vers le mur, c'est ce que t'as fait d'ailleurs, ça m'inquiète. Soyons honnêtes. Tiens, vas-y, mange. J'avais pas de poisson pour toi, je suis désolé. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait qu'on chasse le poisson croc. On avait elle ici aussi. Difficulté, difficile. Trouver la feuille du jaune, d'accord, en terre ou dame, ok. C'est plus des rouges qui m'ont intéressé. D'accord, faut que je redescende au sud et que je reprenne par l'eau. D'accord, vendu. En espérant retrouver des feuilles rouges sur la route. Ça pourrait être sympa. Ok. Touché. Je crois que des fois je me fais du mal quand je frappe avec ce truc. Frappe au niveau du sol, je crois que je me fais du mal. Au niveau de la carte, on en est où? En prenant le chemin, on peut peut-être y arriver. Allons-y. Ah, je déteste les forêts, remarque. Je suis sûr, c'est qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de mammouth dans le coin.
Salut l'ami. Hop. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Ce qui prouve à quel point les fourrés sont des bonnes planques, hein. D'accord. Je passerai par où le jeu me dira de passer. Parfait. Argile du Nord. Caillou du Nord. Caillou noir. Wow. Hashtag détail. Details, details. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, attendez. S'il y a une planque de... Oui! Cache de récompense. Parfait. Bon, j'en avais qu'une dans le truc. Ça va pas m'aider des masses. Hop. C'est quoi ça? Peau de loup blanc, d'accord, et là on a une peau de jaguar. Pourquoi pas? Du coup on peut peut-être le sauver. Oh, on a 4 sur 5. Oh la gueule, on a vraiment pas de bol. Allons-y. Allons-y, allons-y. Soyons concentrés sur notre notre quête. Après tout, on lui doit bien, vu le nombre d'oreilles qu'elle a qu'elle a récupéré. Faut être honnête, au bout d'un moment, elle mérite bien qu'on lui file un ou deux coups de main. Alors apparemment, faut pas forcément monter. Ce tir va être magique. En terre ou d'âme. Parfait. Hop là. Tu n'appelleras pas tes amis. Prends-moi, je vais prendre ta peau. Dommage. Fuis autant que tu le peux. La fameuse feuille jaune du Nord. D'accord. Piège. Piège, piège, piège. Mais c'était Houl. C'était Houl lui-même. What the... What the fuck. C'était son fils. Et ils ont un easy là. Oui, c'est moi que t'as vu là-bas. Joli. Ils se plaignent trop, je suis d'accord. Craignance. Mal de tête. Pas l'air d'avoir très faim, hein, faut le dire. Bon, voilà autre chose. Les dames ont pris votre équipement. Hop, hop, on
douceur. Un grappin, ça tombe bien. On avait besoin d'un. Désolé, l'ami. Ah, son corps a disparu. Ramassons le corps. Mettons-le là. Personne ne le verra. Atteignez la sortie. J'imagine qu'on peut rien fabriquer. Confection. Les bombes berserk, ça pourrait être intéressant. Non, on va attendre. Non, pas besoin, tu as de quoi faire. Hop, dépeçons le loup. Cèdre du Nord, pourquoi pas. Ils sont passés par là. Pourquoi pas? Ok. Au moins j'aurais trouvé le chemin pour passer sans me faire. Attendons un petit peu. Je serais pas contre l'utilisation d'un couteau frenzy. Il vient. Putain, il vient. Nom de Dieu. Merde.
fout de ma gueule en plus. Hop là. Tu n'auras rien vu. Finalement. Ok. C'est chaud de trouver sa sortie là-dedans. Ah, de trouver la sortie là-dedans. Feuille rouge, c'est parfait. On pourra récupérer notre bestiole. Récupérons un peu de viande. Qu'est-ce que... Ah non, c'est un os. Je crois que c'était un gros gourdin. Je me dis, what? Oh là. Ça, c'est pour ceux qui en chient. Qu'est-ce que... D'or ? Il dormait. Ok, je peux rien récupérer là-dedans. On y va. Cette espèce de... Non, attends, je peux pas descendre comme ça, faut que je voie d'abord. Oise. Note. Fait. Attendez, j'ai peut-être une idée. Hop. Apparemment, cette idée ne marchera pas très longtemps. Oh. Vas-y, viens, je t'attends. Ouf. Le feu, c'est pas top, hein. Tiens, réessaye encore un coup. Tiens, c'est un appât. J'ai pas réussi à la pâter, je suis vexé. Je reconnais que je suis vexé. Moi qui pensais pouvoir l'attirer avec ma bouffe. Hop, parfait, une feuille rouge supplémentaire, pourquoi pas. Si on trouve des choses en quantité par ici. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Je vais vous l'avouer, c'est pas plus mal. On n'attendait pas à ce que ce soit si long. Oh, sa maman. Qu'est-ce que...
D'accord, une scène de sexe. Avec un homme ? Attendez. Faut que j'aille vérifier ça, moi. Je vais crever. Ok. Je crois qu'on a vu une scène de sexe. Je sais pas. Je pense que oui, hein, je pense que c'en était une, mais bon. Ça m'a assez surpris à vrai dire. C'est bien elle, donc c'est une femme. Ok. Ah, si je prenais un couteau frenzy pour voir si ça marchait sur les. Sur les gros. Voilà, t'avais attaqué tes copains. Vas-y, attaque tes potes. Hop. Ok, il a pas l'air très... Une paire de coups. Sa dernière flèche. Bon, on va passer à autre chose. Hop, voilà. Crac. On s'en sort pas trop mal, même si on consomme niveau. Voyons voir. C'est donc bien les femmes, donc on a bien vu une scène de sexe. Oh là là. Ça devient nécessaire ce genre de choses. Tiens, tu portes l'enfant du chef. Désolé. Toi t'es par contre complètement bugué mon pote hein. Hop. Merci. Mal, dis donc. Hop, voilà. Donc on commence à être en panne de tout, soyons honnêtes. Hop, on vient de voir. Oh, ça me choque. Je suis désolé, ça m'a choqué parce que je pense pas que. Enfin, l'univers est assez violent et cohérent pour qu'on n'ait pas besoin de le souligner avec ce genre de choses, de mon point de vue. Hop, voilà. Aïe, aïe, aïe. Hop, non. Où est ce fichu archer ? Putain, non, je peux pas m'accrocher là-dessus. Hop, voilà. Ok, on remonte, parce qu'apparemment il est là-haut. Ah,
dégage. D'accord, on y est. Oh là là. Donc on a perdu beaucoup de composants. Oh là 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 là, quelle horreur. Ouais, bah tu m'as envoyé un petit peu dans un piège. Et donc ça fait quoi? Ouais, ça me dérange pas, mais enfin bon, le problème n'est toujours pas résolu, j'ai... Paye-moi. Oh la gueule. D'accord. Ok, carrément. Bon, pourquoi pas. Donc, apparemment on est arrivé donc à la fin de la quête Udam, hein. La recette de l'antidote peut vous aider. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut se re-téléporter ici, s'il te plaît? J'ai besoin de faire le plein, malheureusement. Oh là là, quelle horreur. Alors. Ouais, tu vas te préparer, effectivement. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Ok. Ok, parfait. Bah, on est full. De toute façon, il n'y a plus qu'à récupérer une chier de compo maintenant. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Pourquoi les feuilles utiles, j'en ai pas? Pourquoi les feuilles utiles, j'en ai pas? Bon. On a gagné un point de compétence. Ouh. Ça nous en fait deux. Ouh. C'est la fête. Les flèches, ça pourrait être nécessaire. La résistance aux dégâts aussi. Réduit le dégât infligé par le feu plutôt. Je pense que je vais prendre ça parce qu'on va pas tout de suite s'attaquer aux Udam. On va plutôt s'attaquer, essayer d'atteindre le même point avec les Izzy là. Et on verra ensuite. Bon. Ok. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode en tout cas. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. Donc le groupe Steam nommé Joueur de la Playroom. Encore une fois, merci à vous de suivre cette série, merci à ceux qui la suivent, je sais qu'elle n'est pas trop regardée. Moi je l'aime bien, je l'aime même beaucoup, je pense que dans le prochain épisode on va aller voir la Merloc. Et on ira faire un tour du côté des Zizi là. Et on verra bien ce que ça va donner. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. Ah là là, c'est beau quand même.